I can save you, I'm sure my brother will forgive me. Eh merde. Fait chier. Complètement en retard là. Intéressant. Ça m'en fait normalement 5. Putain, je pensais que j'en aurais 6, même pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir grimper un peu là? Des globes d'esprit. J'en ai suffisamment. Ah non, j'en ai que 3. Je pensais en avoir plus que ça. Allez, on va utiliser le, dans le 0 là. 25. C'est-à-dire que. Ouais, pour le moment on va faire ça. Après 34, bon, c'est pas suffisant. Et il y a soufflé aussi, qui a l'air sympa. Je sais même pas ce que j'ai d'équipé d'ailleurs. Ralentir saccadé, voire souffler. Ah bah j'ai soufflé d'ailleurs. Et mais attendez, c'est quoi ces trucs là? Je peux en avoir plusieurs? C'est quoi la différence? Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'en ai... Je peux en équiper 3? Putain, et c'est que maintenant que je le remarque, quoi. Ok, je peux switcher, putain. Je me semblait bien avoir vu un truc comme ça. Ok, d'accord. Et à mon avis, les genres de points, là où j'en ai 4 en bas, les trucs brillants, ça c'est à mon avis, j'en gagne un à chaque fois que je tue un fantôme. On va rester sur souffler. Mais je suis con ou quoi? En fait, je sais pas ce qui s'est passé, hein. J'ai, ça a pas l'air de... Je sais pas du tout, en fait. Bon, c'est pas grave. En appareil photo, je suis toujours en type 7, hein. Je vérifie. Non, je suis en type 90, putain, mais qu'est-ce que je branle? Alors là, normalement, il y a un truc de l'autre côté, je peux... Ah si, je peux y aller. D'accord, là j'ai la carte du village. Le journal noué 4. Mutsuki me pardonnera-t-il un jour? Je n'ai pas pu le transformer en papillon. Je n'ai pas pu m'unir à lui. C'est de ma faute. Je t'en prie, excuse-moi. On a le cristal d'Itsuki. Le journal Noé 3. J'ai entendu dire que Munakata était ici. Serait-ce à cause de la lettre que je lui ai envoyée? L'accueil chaleureux qui lui est réservé trahit leur intention d'en faire un kusabi au cours de leur cérémonie. Je ne peux laisser faire ça. Il faut que je lui parle. Il doit s'en aller. Vite. Oh, on a le 5 aussi, putain. Les 3 autres clés solaires sont cachées dans les maisons Kiryosaka et Tachibana. Personne ne s'attend à ce que je m'enfuis après le rituel. À ce moment-là, il sera facile de prendre les clés. Participer à l'évasion de Yae et de Sae sera sans doute la dernière tâche de ma vie. D'accord, donc le, ils ont bien accompli le rituel avec son frère. Et après le rituel, en fait, il a aidé Yae et Sae à s'enfuir. Mais ça a foiré, Sae est resté là avec lui et les deux sont morts, en fait. Et Yae, par contre, je sais pas du tout ce qu'elle est devenue. C'est mystère et boule de poil, là. Ah non, attendez, il me semble bien que Yae s'est fait attraper aussi, hein.
Oui, il me semble bien, oui. Elle s'est fait attraper quand elle... Oh, je sais plus. Je me souviens plus. Ça sent le renfermer dans ce grenier sombre où tout est couvert de poussière. Cela fait sûrement longtemps que personne n'est entré ici. Et j'ai pas l'air de pouvoir y aller. Donc on va aller... regarder notre... pas ça, mais... nos cartes. Non, pas celle-là de carte. Dans les objets. Non, dans les fichiers, putain. Je vais y arriver. Puisqu'il y a un autre mini-carte avec la carte du village. Qui nous montre où sont les différents objets. Alors là, il y en a un dans le cimetière, on le voit. Là où j'étais. Il y en a un dans la maison... juste en face, on dirait. Il y en a un qui est près du pont. Un qui est à côté. Donc dans... Ouais d'accord, bah c'est là que je vais commencer en fait. Hein. Je vais commencer par là. Ensuite je vais aller dans la maison des je sais plus quoi, des Tachibana. Ou je sais même je sais plus. Et ensuite j'irai au cimetière. Je pense. Dans la maison des Kurosawa, putain, voilà, ça y est. J'ai un petit peu du mal avec le nom. Et j'ai fait un étrange rapprochement ces dernières semaines par rapport à Projet Zero 2 et un autre jeu, issu aussi également d'une grosse licence du Survival Horror. Et je me suis dit, mais c'est pas possible à quel point ils ont pu repomper sur Projet Zero en fait. Je vous dis pas de quel jeu il s'agit. Mais ça fait tilt dans ma tête, et si jamais je le fais un jour, et je le ferai certainement un jour, puisqu'il s'agit de ma série Survival Horror préférée, hein, donc vous savez déjà ce que c'est, hein, de quoi je parle. Et ils ont bien repompé en fait sur Projet Zero. Je vais re-sauvegarder encore. En fait non, c'est pas du tout là que je voulais aller. Ils ont bien repompé sur Projet Zero, c'est assez impressionnant quoi. Enfin en tout cas moi c'est l'impression que ça me donne. Bon, je vais arrêter de vous faire du teasing. On va aller voir dans cette foutue maison. Ici. Tiens, puis un objet en plus. Pile poil là où il faut que j'aille. Sauvegarde avant toute chose. Alors c'est vrai qu'il est vraiment net... Il est nettement plus long que le premier Projet Zero. Hein. Parce que le premier Projet Zero, je n'ai pas fait autant de vidéos dessus, hein, il me semble. Du film de type 14, bah très bien. Et là, normalement... Normalement... J'ai eu ma petite dose de frisson. Allez, viens là. Raté. Ça commence bien.
Elle est trop loin, je pourrais pas la voir. Ah, raté encore. Faut que j'attende qu'elle s'approche là parce que... Raté. Hop. Allez, amène-toi. Est-ce qu'elle va... Là, normalement, elle devrait commencer à m'attaquer. Ouais, c'est la Simpson. Elle va recommencer, je crois, là. Allez! Terminé. Elle m'a laissé... L'armoirie Yusoka. Au suivant. On re-sauvegarde. Ouais, allez hop, au même endroit, ce sera très bien. Et on va aller maintenant... sur le pont du ciel. Enfin, le passage du ciel, je me souviens plus des noms. Il y avait celui du ciel et de la terre. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh non. J'ai pas envie de me taper les marmots. Hein. Surtout s'ils sont trois. Je vais pas kiffer quoi. Alors bon, normalement là, il faut que je monte et à l'étage. Il y a une pièce secrète. Alors là, normalement... Ah, qu'est-ce que je peux prendre en photo là? C'est en haut. J'allais dire, je pense que je vais me retaper la nana qui a le cou brisé, vu que c'est là que je l'ai rencontré la première fois. Mais là, j'entends des petits gémissements, là, vous les entendez... Je sais pas si vous les entendez, c'est les mêmes que quand j'avais affronté les... Putain, oui, c'est pas ce qui me semblait. Ah non! Ah d'accord, ok, c'est un fantôme, putain de merde! Oh non! Oh putain! Aïe, 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 aïe. Alors, deux petites secondes. Elle était où, cette... Merde. Ah! Photo.
Non, c'est celle que j'ai prise, ça. Là, hop, photo, fille face au mur. Elle est face à quel mur, là? Exactement. Qui semble ouvert. Puisqu'il est censé y avoir une pièce secrète là-dedans. Mais je sais pas trop où il est, en fait. Enfin, où elle est, plutôt. Ah bah, c'est là. Ah, deux petites secondes. Parce que je le vois venir, hein. Ah putain. Aïe aïe aïe. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais en courant ou est-ce que je tente de les affronter? Je vais pas avoir le choix. Pas la bonne app, putain. Putain, mais c'est pas la bonne que je tue là. Je m'en branle, je me casse. Allez! Oh putain! Je ne peux sortir et c'est génial. Là. Faut que je remonte. Y a pas assez de place ici. Oh, je l'avais pas vu, elle. Mais c'est pas la bonne, de toute façon. Enfin, je crois. Oh, putain! Ah! Ah, c'est génial. C'est génial. Je sais pas ce que je voulais dire comme mot, je crois que c'est génial, mais... Allez, faut que je me casse de là. Où elles sont. Et là, c'est pas la bonne. Et on voit pas sa bouche. Encore une, encore une, encore une.
Oh putain, il y en a... Oh putain. C'est laquelle? Oh merde. C'est la bonne. Yes! Je m'attendais à pire. Ouais, en fait, les fantômes sont vraiment pas super durs, hein. Alors, est-ce qu'ils m'ont laissé un truc? Ils m'ont peut-être laissé un objet? Peut-être de l'autre côté, vu que c'est là qu'elle était. Ou alors en bas, sinon. Ouais, non. Ils ont dû me laisser un cristal en bas, je pense. Je vais quand même refouiller un coup, là. Non, rien. Rien de neuf, ok. Ah non, même pas. On dirait qu'ils m'ont rien laissé. Tant pis. Allez, direction le cimetière. Je vais repasser par l'arbre, ce sera plus court. Nous permet de sauvegarder au passage. T'as 9h26 de jeu. C'est pas mal pour un survival horror, hein. Je me souviens, je crois que j'avais fait Silent Hill 3. À l'époque, c'était quasiment le premier survival horror que j'ai terminé de ma vie. Et j'ai passé un temps ouf dessus, j'ai mis 12 heures, je crois. Et là, je suis quand même déjà à 9 heures. C'est vraiment pas mal. Bon, alors là, fantôme ou pas, j'avance quand même. Pas de fantôme, tant mieux. Mayu, comment elle va? Toujours un peu patraque? Ouais, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Et nous voici au cimetière. Je sais pas trop qui on va se taper là. Comme fantôme. Dans le cimetière de la maison des Tsuchiara. Les Tsuchiara, c'était pas le maître de cérémonie par hasard? Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris en photo, mais c'est peut-être parce que mon objectif s'est pas mis à devenir bleu. Ça va être pour ça. Alors c'est par où? Je suis au bon endroit là, oui. Ouais, c'est là. Eh bien, trouvons la pierre tombale de Tsuchiara. Et elle est là.
Ah, c'est la nana qui a le cou brisé. On va pouvoir lui mettre sa race. Enfin. Je sais plus du tout comment elle attaque comme ça. Pas beaucoup de dégâts, on dirait. Donc... on va y aller au type 61. Eh merde. Je l'ai shooté trois fois, ça sert à rien. Faut que je puisse reculer par contre. Ah bah. Elle m'a eu. C'est pas grave. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Merde! À chaque fois, je me plante de touche. Enfin bref, bon. Ah, c'est terminé. On va pouvoir aller à la tombe. Et ensuite, on va pouvoir... Alors c'est marrant parce qu'il me manque des... j'ai dû louper des trucs. À moins qu'on les récupère plus tard. Parce que là-haut, quand je vais dans l'appareil photo, ici, il me manque des fonctions. Là aussi. Allez, donc à la tombe, et ensuite, on pourra retourner dans l'arbre.